Il disait qu'il avait un frère en Amérique qui dormait sur un lit de milliards de dollars. Mais lui était pouilleux, indigent, famélique, n'acceptant du cossu rien que ses vieux costards. Ils disent que Jésus, leur grand frère aîné, trône en un ciel sans souci, sans tracas, sans chagrin. Mais eux sont périmés, angoissés et marronnent, en wagonnés qu'ils sont dans leur petit train-train. Un bon représentant est payé par sa firme, il ne va pas mendier ses deniers aux clients. Le royaume des cieux qui le connaît l'affirme, licencie un par un ses démarcheurs mendiants. Être bien dans sa peau, bravo, mais dans laquelle? S'agit-il du collant qui s'élime avec soi? Qu'un engin peut trouver, ou s'agit-il de celle? Qu'en se ressuscitant de l'ego on reçoit? Il n'y a qu'une incarnation qui m'intéresse, c'est celle du grand soi en moi-même aujourd'hui. Cette chair en ma chair à grands coups de caresse, de l'enfer de l'ego au nirvana conduit.